Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui ça va être Diamond Painting. Vous allez voir la suite de mon Diamond Painting, la femme tigre. J'avance doucement, mais j'avance dessus. Voilà, j'étais pas mal occupée hein, cette semaine, comme vous avez vu, avec mon atelier, tout ça. Donc, du coup, il avait été mis un petit peu de côté. Mais là, j'en fais un peu, là, maintenant. J'en ai fait hier. Voilà, là, je vous fais l'intro le lendemain. J'en ai fait hier après-midi pour avancer un peu dessus. J'en referai cet après-midi, certainement. Parce que là, ce matin, je vais être occupée à faire des masques pour moi et pour Chouchou. parce que là, c'est pas la peine de compter sur la pharmacie. Hier, on a été à la pharmacie et eux ne les ont pas encore. Hein, ils ne les auront pas avant une semaine, 10 jours. Mais bon, j'en avais déjà fait pour nous, mais je n'en avais fait que un chacun. Donc là, je vais m'en refaire ce matin. Donc, je continuerai certainement mon Diamond Painting cet après-midi. En sachant que là, cette semaine, je vais être un peu plus prise. Je vais faire un peu moins de Diamond Painting. Parce que j'avais une commande de cartonnage depuis un petit moment à faire. Bon, puis avec le confinement, la poste qui fonctionnait pas, tout ça, c'est vrai que j'avais mis de côté et j'avais pas encore commencé ma commande. Et puis bon, là, j'ai dit, la personne qui me l'a commandé m'a demandé aussi si je m'y mettais. Donc là, ça y est, je vais l'attaquer cette semaine. Donc je dois faire une commode un peu dans ce style-là, mais plus grande avec des tiroirs supplémentaires. Enfin, vous verrez quand elle sera finie. Je vous montrerai. Donc là, il n'y a pas. Il faut que je m'y mette. Et le mois prochain, j'ai encore une commande. Mais c'est une commande qu'on m'avait donnée il y a quelques mois, mais à faire pour le mois de juin. Donc c'est pareil, je l'avais mis un peu sur le côté. Mais bon, là, ça va être quelque chose de très facile. Enfin, très facile. Ça va être quelque chose de plus facile que la commande à faire. Donc là, je la ferai court en mai. C'était ces deux grandes boîtes à couture. Vous aviez vu hein, celle avec les couvercles brodés que j'avais fait. Mais là, je ne mets pas de couvercle brodé, mais c'est pareil. Vous verrez quand elles seront faites. Je vous les montrerai. Donc là, on m'en a demandé deux. Et donc, il faut qu'elles soient faites pour le mois de juin. Donc, ça va. Je ne suis pas en retard, par contre, sur cela. Donc là, cette semaine, ça va être surtout du cartonnage. Je pense que je ferai mon Diamond Painting le soir au lieu de le faire l'après-midi. Je vais voir comment je vais m'y prendre, en sachant que j'ai mon jardin aussi à faire entre deux. Là, je viens d'y aller un tout petit peu ce matin, parce que comme il avait plu, j'ai dit je vais aller désherber un petit peu. Mais il n'a pas plu assez encore, c'est très dur. C'est encore très dur à tirer. Donc voilà. Bon, j'ai fini mon petit blabla. j'espère que les vidéos précédentes que je vous ai mis hier et avant-hier vous ont plu. Donc vous avez vu, je vous ai mis aussi la vidéo ma scrap room. Bon, j'appelle ça ma scrap room, mais il n'y a pas que du scrap hein, dedans, bien sûr. Donc n'hésitez pas à aller la voir. Je vous remettrai le lien également en fin de vidéo. Si vous ne l'avez pas encore vu, l'avant-dernière vidéo, c'est une vidéo sur le nuancier pour les feutres à alcool d'Action. Voilà, là, c'est une toute petite vidéo. Et vous avez maintenant celle-ci, voilà, sur la suite de mon Diamond Painting, donc la femme tigre. Et je sais qu'il est en... Donc là, j'ai reçu le numéro de suivi hier, donc pour un partenariat, donc j'ai un kit... normalement, il y a deux kits. Il y a le kit pour un prochain concours. Donc, j'espère qu'il est bien dans le colis. Parce que là, ils ne m'ont pas précisé dans l'email. Mais bon, on va croiser les doigts. J'espère que le kit est bien dedans. Donc, il est en route. Voilà. Donc, maintenant, je l'attends. Et vous avez toujours le concours pour gagner le Diamond Painting
en partenariat avec la boutique Mes Petits Diams, qui est toujours en cours, hein, jusqu'au 5 mai, je vous le rappelle. Donc, pareil, vous avez aussi le lien en fin de vidéo. Pour vous cliquez dessus, vous allez vous y inscrire. Il n'y a aucun souci là, on est à peu près déjà à 90 participants. Donc, il y a encore de la place pour participer. Allez, je vous laisse, je vous fais des gros bisous. Et moi, maintenant, je m'attaque à ma machine à coudre, à mon fer à passer, à mes tissus pour faire mes masques. Et pendant ce temps-là, je vous laisse visionner la vidéo. À bientôt, je vous fais des gros bisous et bon visionnage. Et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, de nouvelles aventures et plein de belles choses. À bientôt, bisous, bisous.
Thank you.
J'en sais rien. Il y a dit que la Belgique, ils font le déconfinement, ils font avant. Bah oui, bah moi je lui ai dit, la